Bonjour. Bonjour la reine depuis Pointe-Noire, la reine Marie-France. Bonjour la reine de Ménine. Bonjour la reine Djamène, Djaïm. Bonjour la reine Dematé. Bonjour la reine Edwige Sandji. Bonjour la reine Aniston. Bonjour la reine Chunga. Il y a que les femmes. Bonjour la reine de Adi, Andy, la reine Guinée, bonjour, la reine Sona, bonjour la reine Tiani, la reine Flore, est-ce que tu... Il y a le numéro de 50 personnes sur ma page. J'ai les représentants, même à Bafoussam. Contacte une des représentantes. Tu lui parles. Oh, la reine Marie-France, Pointe-Noire. Je ne savais pas. Contacte-moi. Je vous ai donné mon numéro fatigué. Mais le truc aussi, c'est que je ne peux pas lire tous les messages. Vous avez compris. Je suis là pour vous. Je suis là pour remettre les choses en place dans votre tête. Donc, on n'a pas trop parlé business. Bonjour la reine Petna. Donc celle de Pointe-Noire, mon numéro 00237 693. Non, si tu m'écris il y a 2 semaines, ne compte même pas. Il y a des gens qui se réveillent chaque jour, m'écrivent. Chaque jour, dans leur déclaration, ils disent que la reine va me parler aujourd'hui. Donc chaque jour, elle prend le nom. Elle finit de parler sur sa vie. Après, elle dit qu'aujourd'hui, la reine me parle. Je te dis. Donc, si tu m'écris à 2 semaines, si tu avais un nombre de messages qu'il y a, je fais n'importe comment, les messages augmentent toujours. Donc, je ne peux pas avoir le surménage avec les messages. Je prends la quantité qu'elle peut prendre. Donc, écrivez seulement chaque jour. Écrivez seulement. Bonjour Libreville, bonjour Pointe-Noire, bonjour la reine Justine Pedna, Pedgang. Bonjour le roi Zéphirin. Bon, je fais cette vidéo pourquoi? Beaucoup d'entre vous, vous me suivez depuis 2 mois. Vous avez commencé. Et vous ne connaissez pas que le combat, c'est le combat. Donc, Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant. Celui qui est, celui qui était et qui sera toujours. Je te demande que tu touches ma langue comme je vais parler, la Seigneur. Que premièrement, tu guérisses les blessures de tes enfants, les choisis. Que ceux qui ont accepté de te suivre, Seigneur, je les sors de la confusion avec les paroles qui vont sortir de ma bouche. Je prends autorité sur toutes les malédictions générationnelles qui vous empêchent de briser, de percer. Je déclare quand vous allez m'écouter, votre mission de vie sera claire dans votre tête. Ceux d'entre vous qui sont bloqués dans des pays et vous voulez partir dans d'autres pays, je déclare que quand vous écoutez, la mer rouge la s'ouvre devant vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Deuxième chose, partagez ma vidéo. Si vous voulez vous réveiller le matin, si vous voulez regarder ma... Partagez la vidéo aussi, s'il vous plaît. Vous savez les problèmes des choisis. Partagez ma vidéo. Hein. Je vais déposer le téléphone. Si je reviens dans 2 minutes, 10 secondes, je vais voir. Partagez ma vidéo, s'il vous plaît.
Bonjour, bonjour. Pour savoir que tu es choisi, hein, je vais d'abord te montrer comment tu vas savoir. Après, selon la tournure de ce que Dieu va nous permettre de faire, on va parler des problèmes des choisis. Première chose, si tu es choisi, hein, malheureusement, c'est un fait. On te déteste beaucoup dans ta famille. Beaucoup d'entre vous. Voilà votre premier problème. Et parfois, vous vous retrouvez en train d'acheter même plus tôt. C'est votre argent qui achète l'amour de votre famille. Tu sais que tes cousins, là, tu connais que les tantes ne t'aiment pas. Tu connais. Tu te retrouves toujours en train de donner. Écoutez, habituez-vous à la haine des gens. Moi, là, comme ça, j'ai accepté. Donc, même si vous tombez sur ma page, vous venez me commenter les commentaires méchants. Oh, gna, gna, gna. Maman, je n'ai rien à faire. Si derrière, je n'ai pas accepté que ma propre famille ne m'aime pas, combien de fois vous? Certains d'entre vous, tu es marié avec un homme, il te déteste. Tu vis l'enfer. Parfois, tu m'as donné coucher sur le lit avec lui comme ça, tu ne sais même pas si c'est vraiment l'homme que tu as épousé. N'en parlons plus de vos mères. Ta mère te déteste comme ça, car souvent tu te demandes que est-ce que c'est même toi qui m'as accouché? On ne m'a pas adopté dans la famille ici. On ne m'a pas adopté. Quand c'est mon frère, l'aide. Quand c'est ma petite soeur, l'aide. Quand c'est tes personnes, l'aide. On donne. Quand c'est moi. Faut voir alors quand tu parles dans le forum familial. Parfois tu écris les choses, on fait comme si on n'a pas vu. Il y a une fille, jeune fille est venue me voir. Son père la persécute. Sa grand-mère l'a maudit. L'autre jour, elle dit qu'elle va venir à Douala pour faire son lavage. Elle s'est tellement chamée avec sa grand-mère. Sa grand-mère dit, voilà, tu vas mourir. Elle-même elle a dit à sa grand-mère que toi aussi tu vas mourir. Sa grand-mère lui dit que tu vas faire l'accident. Le lendemain, elle est dans le bus pour venir à Douala. Le bus tombe. Donc la mère de sa mère ou de son père, là, hein, sa grand-mère. Comment on dit que les grand-mères vous aiment là? Pour elle, là, hein, c'est grave. Et les gens la font comme ça parce que vous, ils ont même peur. Premièrement, ils ont peur de vous. Deuxièmement, ils savent que vous savez qui ils sont. Ils savent que vous savez qui ils sont. Et certains d'entre vous, votre bouche là ne se ferme pas. Quand ça ne va pas, vous dites hoha. Ça ne leur plaît pas. Que mais maman, pourquoi tu. Regarde, maman, notre cousin qui est venu, pourquoi tu le menaces chaque jour? Elle dit, mon fils là-bas. Ça se voit qu'elle menace ton cousin. Tous tes frères et soeurs font semblant de ne pas voir. Toi, tu dis que maman. Pourquoi tu le menaces trop? C'est comme ça que toi, tu deviens ennemi avec ta mère. C'est là-bas que vos problèmes commencent. Et même le cousin là-bas, il te déteste toujours. Hein. Mais le cousin pas haut, 10 ans plus tard, la mère te déteste toujours. Le père a deux femmes. La mère est méchante avec les enfants de l'autre femme. La mère méchante avec les enfants de notre femme. Toi, tu vois. Tu dis, maman, pourquoi tu es trop méchante avec les enfants là comme ça? Les problèmes commencent. Voilà là où tu prends tes points avec ta mère. Depuis que tu es petit jusqu'à aujourd'hui. Tu as choisi, écoute. Le chemin des choisis n'est pas censé être facile.
Depuis que tu as 14 ans qu'on t'a réveillé, tu as abandonné à toi-même. C'est toi qui te nourris, c'est toi qui payes ta pension. C'est toi qui cherches l'argent que tu vas. Tu fais tout toi-même. Voilà un autre signe de choisi. On t'a abandonné très vite. Parfois, ta mère est morte à la naissance. Quand tu as eu 13 ans, là, ta tante chez qui tu vivais, elle te dit, oh, que je suis fatigué de m'occuper de toi. Tu n'as que 13 ans. Hein. C'est comme ça que ta souffrance commence. Tu fais souvent les petits, tu pars à l'école vendre. C'est ça qui te donne ton argent de beignet. Tu souffres. Oh, la reine, ça, bonjour. Comment tu vas? La reine des reines, comment tu vas? Et c'est ça qui fait que. Donc voilà, tu es grand. Tu n'as pas accepté le fait que. Cette mère ou ce père-là, cette personne qui te déteste autant, la personne connaît tes pouvoirs. La majorité de ces personnes-là sont parties quelque part, on a dit. Il va très bien, la reine, ça. Il va très bien. La personne est partie quelque part, on a parlé de tes pouvoirs. Ou la personne a vu que toi, quand tu te réveilles, tu dis, maman, j'ai rêvé de telle personne. Ça se réalise. Tu te réveilles souvent, tu critiques la mère sur ces choses qu'elle n'a dit à personne. Que Dieu t'a montré dans le rêve. Ça l'énerve. Tu deviens ennemi numéro un de ta mère. Et t'envoies aussi les cœurs. Beaucoup de cœurs, la reine, ça. Et si tu ne comprends pas ce qui fait que on te déteste autant, parce que tu es aujourd'hui là, tu as 45 ans. Tu te sens toujours. C'est comme tu es seul au monde. Tu es comme le black sheep. Black sheep, c'est toi. Comprends que ta famille physique, biologique, ils étaient là seulement pour t'acheminer jusqu'à un certain âge. Ils étaient là seulement pour te donner le biberon, pour attacher tes couches, pour te faire manger, tu pars à l'école. C'était ta famille d'accueil. Bonjour la reine Louise. Bonjour la reine Maïmouna. C'était ta famille d'accueil. Enlève le cœur. Parce que les gens là connaissent comment te toucher. Bonjour la reine Dorette. Ils connaissent les paroles qu'ils vont venir te donner. Tu te lèves comme ça la palette. Ouais, tu es motivé. Tu vas aller ouvrir ta boutique. Tu vas vendre beaucoup. Tu vas poster tes trucs en ligne. Ouais. Un autre vient t'envoyer un message sur ton statut. Tu fais quoi là-bas? Pourquoi tu as voyagé? Pourquoi tu... Ton pantalon n'en est pas bien. Tes formes... On voit trop ton ventre sur le truc là. Il faut faire le régime. Hein. Mon ventre, c'est pour vous. Mon ventre, c'est pour vous. Oui. Oui. Je suis en direct. Bonjour la reine Eliane, bonjour la reine Choubel. Colombe, bonjour la reine Colombe. Bonjour la reine Michel. Un choisi aussi, c'est quelqu'un qui est très attiré par la spiritualité. C'est comme ça que tu sais que tu es un choisi. La spiritualité, ça te fascine. Comment les lieux sacrés,
quand tu partais encore trop à l'église là, tu étais fasciné, les jeunes, les statuettes, tu aimais. Tout ce qu'on disait à l'église, tu faisais. Maintenant, tu voyais que les gens même qui étaient là, qui t'avaient amené à l'église, ne faisaient pas. On dit, donne aux orphelins, tu donnes. Jeûnez, tu jeûnes. Lisez Matthieu, c'est si tu lis. Maintenant, peut-être tu es attiré par quoi? Les lieux sacrés, les bâtons de commandement, tout ce qui est spirituel, en fait, ça t'attire. En fait, tu peux passer même 3 heures de temps sur la page si tu écoutes ma vidéo de spirituel. Bonjour, la reine Niaga. Donc, tu te lèves, tu peux passer ton matin, midi, soir. Tu parles du spirituel. Tu regardes les vidéos spirituelles. Bonjour, la reine Ruth. Bonjour, Yves, le roi Yves. Bonjour, la reine Betty. C'est comme ça que tu connais que tu es choisi. Donc, et quand tu tombes sur quelqu'un qui parle le spirituel, alors, hey, oh yo, tu aimes le spirituel jusqu'à. Donc, et souvent, quand tu arrives dans ta famille biologique, tu parles le spirituel, ils ne te comprennent pas. Ton frère, même père, même mère, vous ne vous comprenez pas. Donc, ça m'amène au prochain point. Les choisis aiment beaucoup s'isoler. Oui, oui, tu peux aussi en prier pour les gens. Les choisis aiment beaucoup, ils ont leur bulle qu'ils ont construit à eux-mêmes, leur carapace. Parce que pour toi, c'est comme une sorte de protection. Et parfois, tu n'oses même pas dire tes dons aux gens. Voilà, par exemple, la reine Giseline qui a dit, elle voit le futur. Il y a les gens, peut-être ta famille, que si tu vas leur dire ça, ils vont... toi, on va t'insulter encore, mettre au-dessus. C'est pour te frustrer. C'est pour frustrer tes dons. C'est pour frustrer ton pouvoir. Écoutez, les gens de votre famille savent qui vous êtes. Et même s'ils ne connaissent pas Jean, je sais que ça c'est une reine, que c'est une reine peut-être du ciel, une reine de l'eau, une reine de ceci. Ils connaissent que tu as les pouvoirs. Ils ne veulent pas accepter. Et souvent même, tu commences à avoir du succès, les choses commencent à marcher. Tu montes, tu montes. Quelqu'un d'entre vient à côté de toi. Merci beaucoup la reine Gonon. Bonjour la reine Komo. La personne là vient à côté de toi. Parfois même, ce n'est même pas ton, c'est peut-être ton meilleur ami. La personne se frotte à toi, se familiarise à toi pour te descendre. Parfois c'est ton mari. Il voit tes vues commencent à augmenter, on commence à, tu passes partout, on commence à te respecter. Imaginez. C'est maintenant que je comprends la vie des stars. Hein. Maintenant que les gens se disent que mince, Jesus, je vous en prie, monsieur le roi Abomo. Souvent, ils restent comme ça, ils disent mince. Tu marches avec ton gars ou bien tu marches avec ta soeur. 5 personnes te saluent. Ah, c'est toi, c'est toi. Je t'ai vu, je t'ai vu. Oh, merci, merci. Première personne, ta soeur là. 3 personnes viennent te voir. Hé, hey, merci la reine. Hé, hey, merci. Pourquoi elle n'est pas moi? Elle a quoi que je n'ai pas? C'est la même mère qui nous a accouchés, non? Est-ce qu'on a pissolé ensemble? Vous n'avez pas encore les problèmes, hein? Vous n'avez pas encore fait les problèmes. Ça arrive. Ça vient. Wow, tantôt c'est le chantage que wow, tu te concentres trop sur ta mission de vie. Tu ne t'occupes plus de moi. Tu ne t'occupes plus de moi, pourquoi? Je fais like, are you serious? Ouais, Seigneur.
Tu as bien dit Yves, c'est un petit niveau. Star, c'est un petit niveau. Maintenant, vous devez comprendre que ces réactions qu'ils ont, c'est la diversion. Parce que l'ennemi va tout faire. Tout faire. Pour que tu doutes de toi. Il dit que tout. Que tu. Est-ce que j'ai même le don? Est-ce que mes trucs là, ça va même agir sur quelqu'un? Est-ce que vous aimez m'appeler? Oh my gosh, attendez, je vais mettre la petite ici, j'ai vibré. Tu m'appelles, je refuse. Comment tu me rappelles? Voilà. Parce que le but de ces personnes. Vous n'allez plus. Écoutez, je vous enseigne ici là pour raccourcir mes séances de consultation. Il y en a parmi vous que vous venez. Tu t'assois comme ça et te regardes. Et te scanne une fois. C'était la choco. Tu veux me déranger pourquoi? Tu veux que je prononce ton nom pourquoi? C'est même pas ton vrai nom. Tu es parti faire le genre de profil que vous avez dit de faire là. J'ai dit allez faire les faux profils. Tu as bien fait, c'est bien. Il dit que je te scanne et te dit que non, mamie, tu as les dons, tu as ceci, tu as cela. Tu commences à dire, oh, ma belle-mère me déteste. Oh, ma mère, je ne sais pas ce qu'elle fait, ma mère. Mon mari, je dis que moi, c'est quoi ton problème? Je veux que vous écoutez la vidéo si. Ne venez plus dans mes consultations, me dites ce qu'on vous fait de mauvais. Parce que vous me perdez le temps. L'oppression viendra. Point à la ligne. Passons à autre chose. Maintenant qu'on sait que tu seras opprimé. Ojoa. On va t'opprimer. Donc, bon, donc beaucoup d'entre ces gens-là connaissent. Hein. Non, quand tu étais petite, oui, quand ta mère, quand maman était enceinte de toi. Un voyant était venu à la maison. Il a dit que l'enfant qui va naître là sera puissant. On ne t'a jamais dit. C'est un parmi vous. Hein. C'est dans la période ci que vous allez découvrir vraiment. Parce qu'il y a quelque chose en vous qui vous brûle toujours. Quand il parle comme ça, là, ça résonne tellement à vivre. Souvent, tu fais les rêves. Tu te vois en train de parler aux gens. Tu fais les rêves. Tu te vois en train de guérir les gens. Personne dans ta famille ne t'a jamais dit qu'il y a eu des choses qu'on avait dit sur toi quand tu étais petit. Quand tu es un choisi, ta famille a une responsabilité sur toi. Supposons Jésus naissait. Attendez, je sais pas si ma Bible est à côté de moi. Vous croyez que Marie et Joseph n'ont pas travaillé dans la vie de Jésus? Vous pensez qu'on n'a pas travaillé sur lui? Quand il fait le livre des simpletons, là vous êtes tous simples. Tu n'as pas besoin d'avoir mal. Tu es censé te sentir comme ça. Tu es censé. On est censé te détester. Attendez. Vous allez lire Matthieu 2. Lisez Matthieu 2. Je vais un peu survoler quelques trucs. Jésus étant en Bethléem, étant né en Bethléem, Matthieu 2, verset 1, en Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici les mages arrivés à Jérusalem. Si vous regardez bien, quand vous êtes né, on ne vous a pas dit. Beaucoup d'entre vous, vous allez découvrir que vous êtes quelqu'un de spécial. J'ai un de mes fils. Il dit que c'est récemment qu'il a su. C'est récemment qu'il a su qu'il avait même un frère jumeau. On lui a caché. Parce que le frère jumeau est décédé avant. Il est décédé quand il était encore bébé. Et on lui a caché aussi qu'il avait des dons spirituels. Donc imagine, tu grandis, tu es seulement
tu es là comme cela, tu te sens, tu es rejeté, tu fais les rêves, tu ressens les trucs. Et on ne t'a jamais dit que là où tu es là, tu es spécial. Tu tombes maintenant sur ma vidéo. Tu sens comment tes mains commencent à vibrer. Écoute, cherche encore, fouille les circonstances de ta naissance. Il y a des choses qu'on t'a cachées. Pas demander que maman, si maman est encore vivante, quand tu étais enceinte, est-ce qu'on t'a dit des choses sur moi? Est-ce que tu es un jour entré à l'église comme ça par hasard, on a prophétisé sur l'enfant qui est dans ton ventre? Est-ce que quand tu es un jour arrêté en route comme ça, là, il t'a dit non, il faut bien protéger l'enfant là? Élise Djoum, je ne parlerai pas de ça, tu as compris? Si quelqu'un ici connaît pour les dents qui tisent. Quand Jésus est né, premièrement, il y a des rois qui sont venus le voir. Les rois mages. Dans la Bible, on dit que ce sont les mages. Je suis sûr que ce n'étaient pas les gens qui avaient seulement 5 francs. Ils avaient l'argent. Bonjour le roi Feuillot. Et les rois, les mages là ont reconnu, Jésus étant bébé, ils disent que où est le roi mage? Bon, attendez, lis d'abord la Bible, parce que si je vais lire vos commentaires. Bon. Les gens qui sont venus ont identifié Jésus, malgré le fait que c'était un bébé. Premièrement, il y a des gens qui ont déjà dit qui tu étais à tes parents, mais ils ont ignoré. Depuis que tu es petit. Deuxièmement, il y a eu quelqu'un qui te poursuivait. Peut-être c'est la deuxième femme de ton père. Peut-être on t'a eu hors de mariage. Et la vraie femme de ton père voulait te tuer. Peut-être il y a toujours un Hérode quelque part qui veut te faire du mal. Donc le roi Hérode apprend qu'il y a le roi des Juifs qui est né. Qu'est-ce qu'ils font? Il veut tuer Jésus. Est-ce qu'il a voulu tuer Jésus comme ça? La Marie et Joseph sont restés. Il dit, Hérode, tu sais, Hérode veut le tuer, mais bon. Non. Voyez un peu. Verset 13 de Matthieu 2. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe. Dieu parle à vos parents de vous en songe. Écoutez bien. Vous allez arrêter de croire que quand je dors, je dors. Je crois que je vais faire une école de spiritualité, un truc où j'aime souvent même 400 personnes. J'enseigne chaque soir là-dessus parce que beaucoup d'entre vous, vous ratez les signes. Vous ratez les signes de Dieu. Parce que vous êtes simpleton. Votre mère, votre père, Jésus qui était le censé, qui va sauver le monde. Donc je vais pas aller discuter sur est-ce que Jésus était vraiment le roi des Juifs ou pas. Je sais qu'il y a des gens qui ont dit, oh, est-ce que Jésus, je ne passe pas là-dessus. J'enseigne tout ce que j'enseigne dans la spiritualité avec la Bible. Ok? Donc, si tu es nouveau sur la page et que l'autre là te dérange, tu vas seulement t'y faire. Non. Ok, je continue. Il apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y. Voilà, la femme la plus puissante de Bangam, pour qu'elle conçoive. S'ils sont tous morts, c'est super. Marie, quand les personnes là sont mortes, ça veut dire que tu as encore plus d'aide qu'avant. Ma caméra s'il doit zoomer, caméra zoom. Voilà. Laurie, ça veut dire que tu as les dons de guérison. Beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas découvert vos dons. Vous êtes encore simple.
Vous croyez que vous êtes seulement aussi comme ça? Ah, moi, je ne connais rien. Je suis née dans le... Mais ma mère, c'est Majo, non? Mon père, c'est papa Jean, non? Esther, on disait que tu es puissante. Tu crois que la puissance, elle est partie? Donc, on a parlé à Joseph en rêve, verset 14. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant. Merci pour le renseignement, Ango. Le truc, c'est que Joseph a dormi, il a vu dans le rêve. Il s'est réveillé. Il dit à Marie que laisse tout là, laisse le micro-ondes, laisse le frigo. On doit partir. Là, voilà qu'il part à General Express. Il prend le bus. Non, il prend Chameau Line. Chameau Express. Ou bien Donkey Express. Donkey Express. Donkey Express. Ok. Donc je voulais un peu rire. Il se lève dans la nuit, il part, il prend le bus, il part. Et là, il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Supposons Hérode, c'est un peu genre le président d'une république que vous connaissez, qui ne va pas mourir avant au moins 15 ans. Donc, il est resté là-bas jusqu'à ce que le président là est mort. Oui, si on dit que tu es dans deux mondes, à la base, tous les choisis sont dans au moins deux, trois, quatre mondes même. Vous comprenez? Vous comprenez? Il y a des choses qu'il ne veut pas dire ici, là, ça peut choquer certaines personnes. Ok. Quand vous dormez là, vous voyez que vous partez où? Bon, continuons. Dans le président là qui ne voulait pas mourir, un jour on annonce que, stupéfaction totale, le président de la République, Hérode, est mort. Warren, je vais très bien. Un jour, je vais commencer à faire les films. Je vais commencer à faire des films bibliques. On va faire ça en version mondaine, donc aujourd'hui là. Tu vois, Joseph avec Marie, ils sont là. Après, il rentre, il dit à Marie que tu sais quoi, j'ai fait un rêve dans la nuit, c'est là. Laisse le micro, on dit, il faut qu'on laisse. Elle dit, ouais, je vais prendre ma brésilienne. Il dit, laisse Marie, c'est comment est-toi? Ouais, je vais prendre mon wang ici. Elle dit qu'on doit partir. On prend Jésus là, on change ses couches rapidement là. On lui met les couches pampeuses. Avec sa Timberland. Parce que vous êtes un Jésus moderne. N'entendez pas les chameaux ou bien pour dire que voilà Jésus. Quand Jésus marchait à l'épaule là, si tu n'avais pas l'œil, tu ne pouvais pas savoir que voilà, c'est lui qu'on attend. Effectivement, président de Toulouse. Mais il y a les choses que quand les gens sont pas encore un peu solides, là, tu leur dis ça, ça va. Bon, on m'a dit que yay, yay. Ça faisait les rires. Un sorcier, c'est quelqu'un qui maîtrise la spiritualité. Quelqu'un qui a. Parce que il y en a parmi vous que vous devez passer même encore 20 vies hein, avant que spirituellement. C'est un peu comme ça, on a tous la même nature. Voyez un peu les couches de l'oignon. Une couche quitte. Certaines personnes sont déjà à leur 50e couche. Donc, ils sont avec le noyau. D'autres sont encore... Tu vois la peau de l'extérieur qui est sèche là, non? C'est encore la peau là. On n'a même pas encore commencé à éplucher l'oignon. Tu dois enlever la première peau. Enlever la deuxième peau qui est à moitié sèche, moitié humide là. Avant de commencer à enlever encore. Enlever. Maintenant, ce n'est pas le nombre de vies qui va déterminer la rapidité avec laquelle tu arrives au noyau.
c'est ton ouverture. Comme il y en a que quand vous allez m'écouter comme ça, là, une fois, vous allez dire que je ne parle de quoi. Il y en a que quand vous allez écouter comme ça, là, ça va commencer à vous activer. Ton corps va commencer à vibrer. Ça dépend des choses que tu fais. Je vous ai parlé l'autre jour des lieux sacrés, des sacrifices. J'ai parlé des offrandes. Il y en a que vous allez m'écouter, c'est même dans 10 ans que vous allez faire. Paul Tindo, je ne suis pas mariée encore, mais je prends les candidatures. Je suis une businesswoman. Même dans le mariage, je fais le business. Tu as compris, papa? Ok. Donc, il y en a parmi vous. Vous allez encore prendre du temps avant d'y arriver, mais il y en a, c'est le temps pour vous. C'est pour ça que tu vas voir quelqu'un à 20 ans. Il est déjà spirituellement éveillé. J'ai des fils spirituels qui ont 22 ans. Les packs commerce, les packs ceci, tu fais un atelier, 100 000, il vient payer. Parce que son esprit veut sortir. Donc, et quand il te dit que j'ai pris, il y a un autre, par exemple, l'autre jour, il me donnait son témoignage du bâton de commandement. Je sais qu'il y en a parmi vous, simplifiez les bâtons de commandement, si. Il a pris son bâton. La nuit, il fait un rêve. Et il était en train de jeûner en même temps, par la période-là. Il fait un rêve la nuit. Il est dans le rêve, il s'est vu, il était en train de grandir. Donc, il était comme, tu vois quelqu'un qui est accroupi. Après, tu te lèves, tu te lèves, tu te lèves, tu t'ouvres, tu t'ouvres, tu t'ouvres, tu t'ouvres, tu grandis, tu grandis. Et pendant qu'il grandissait, qu'il y avait une voix qui parlait dans le fond. Et c'est comme si la voix racontait son histoire. Après, la voix dit que le moment est arrivé. Tu es déjà assez grand maintenant. Avec le bâton de commandement, là, il a terrassé tous ses ennemis qui étaient autour de lui. Et c'est qu'il y en a que vous m'écoutez depuis, vous n'avez jamais acheté un bâton de commandement. Vous voyez, il y en a, tu n'as pas besoin de dormir pour être de l'autre côté. Juste un peu de concentration. C'est ça. On appelle ça canaliser. Il y a d'autres que vous pouvez canaliser les énergies. C'est-à-dire, il y en a qui peuvent entendre la voix des ancêtres. Donc, pour écouter un ancêtre, tu n'as pas besoin de. Il suffit que tu regardes dans ça là. Un, deux, trois. Tu vois qu'il y a un là-bas. Il y a l'autre là-bas. Esther Ruth, écoute, il y a un truc avec moi. Tu viens sur ma page, tu veux présenter tes problèmes, te plaindre tous les jours. Tu me fais le même message plus de 4 fois. Je te bloque, ho-ha. Je sens que tu es nouvelle sur ma page. Tu ne veux pas t'élever, tu ne veux pas comprendre. Je te bloque. Tu me comprends, non? Je te bloque, je te bloque, cache. C'est ça le problème avec vous là, quand vous êtes encore au niveau 2, 3, 4 là. On explique, non, tu ne peux pas savoir. Tu ne veux pas savoir comment faire pour que ta puissance s'active et que tu terrasses tous les démons qui te dérangent. Tu veux seulement qu'on t'aide. Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Tu as des problèmes plus que qui? Josso, si tu vas venir à l'agence me trouver, il n'y a pas de problème. Quand il finit le direct, ce n'est pas à l'agence. Si vous me laissez, bien sûr, finir le direct. La reine Marie, je crois qu'il y a des petits trucs. Le problème aussi, c'est que beaucoup d'entre vous, Élise, Nadège, Paul, tu viens de quelqu'un. Donc, si tu ne les as pas connus physiquement, ça veut dire que tu es appelé à te connecter avec eux spirituellement. Il y a des mois, les ancêtres vont envoyer des gens pour te parler. Parfois, ils vont venir dans le rêve te parler. Ils vont venir dans le rêve, on s'en va. Il y a des choses que tu peux faire, il y a des choses que tu peux dire aussi. Il y a une là, elle est venue l'autre jour, elle me dit que depuis 11 ans que son père est mort, elle n'était pas partie sur sa tombe. L'autre jour, parce qu'elle était dans le christianisme, wow, les ancêtres sont morts, nanana. Elle est partie sur la tombe de son père l'autre jour. Parler, parler, débroussailler, voilà, donner à manger aux gens. La nuit là, son père est venu lui montrer les gens qui l'attaquent. Il est venu lui montrer certaines choses. Alors ça faisait 11 ans qu'elle n'était pas partie. Donc la reine de Pointe-Noire là qui a les dons spirituels.
Toi, tu es encore, ton environnement, c'est ça qui te gâte. Les gens qui sont autour de toi ne croient pas que tu, en quoi, en qui tu es, ce que tu peux faire. Et c'est ça qui te dérange. Tu as besoin, je ne fais pas de mentoring un à un parce que j'ai tellement de personnes que je vois que si ce n'est pas que tu travailles avec moi ou bien que tu es vraiment sous mon aile là, que tu es avec moi tous les jours, c'est très difficile. Bonjour Spiruline Françoise. Bonjour. Ok, la reine Janine. Bon, vous allez voir que Joseph, j'étais en train d'enseigner dans Matthieu 2. Vous allez voir que Joseph fait partie. Il a porté Marie. Bon, la reine qui dit que, bon, préside de Toulouse. Bon, si vous contactez quelqu'un sur ma page et que ce n'est pas un représentant ou quoi que ce soit, vraiment, c'est à vous, c'est moi, vous faites entre vous, je ne suis pas là-dedans. Ok? C'est aussi un truc de la spiritualité. Parlez à vos ancêtres et ayez confiance qu'ils vont vous répondre. C'est pour ça que vous voyez, je fais très peu de un à un. Je préfère donner les directives générales. Et puis maintenant, toi, si tu as le cœur pur, tu viens, tu écoutes. Parfois, je vous donne les trucs à faire. Prends l'eau, parle, verse l'eau dans la chambre. Fais comme ça. Parce que certaines personnes, parfois, tu peux aller et la personne bloque tes dons sans savoir lui-même. Donc, faites très attention. Et quand vous venez même pour que moi je sois votre mentor, je suis très dur. Je suis très dur. C'est pas genre je vais te caresser. Oh, ils ne te comprennent pas, je te comprends. Oh, ma fille. Oh, mon bébé. Oh. Tu vas venir, je vais d'abord t'ignorer même quatre fois. Elle dit, mais elle se prend même pour qui? Tu parles la nuit, tu dors. Ils te disent que. Pas la voix, tu reviens encore. Je te fais poireauter même 3 jours. La reine Amélie en bleu, ça c'est ma voix. Hein. Tu as compris? Quand elle parle souvent, il y a les esprits, vos esprits là en vous. Je dois les adresser. Donc quand elle vous parle, souvent tu vas voir, quelqu'un vient, je lui parle, dis, oh oui, oh. La prochaine personne qui est à côté de lui, je gronde seulement. Je gronde, je gronde, je gronde, je gronde, je gronde. Parce qu'il y a un esprit sur la personne là, que je dois parler à l'esprit là. Et Dieu m'a donné la voix pour ça, ne vous inquiétez pas. J'ai l'énergie, j'ai la voix. Donc ne vous inquiétez pas pour moi, ok? J'ai pas besoin de votre pitié. Merci beaucoup. Donc je disais, faites attention à des mentorings. Je vous en prie. Actuellement, en ligne, il y a beaucoup de personnes qui enseignent. Et si tu as le désir, les ancêtres vont te mener vers là où les personnes qui vont enseigner, tu vas entendre, tu vas dire yes. La reine Marie-France, tu vois, elle va mettre son numéro. Oh, enfin, vous savez, pardon, laissez comme ça là. Faites ce que vous voulez. Et c'est ça en fait que je déplore souvent chez les femmes. Vous n'avez pas confiance en vous. Tu viens mettre ton numéro maintenant comme ça là. Pourquoi la personne qui a dit que contacte-moi te contacte non? Tu as testé l'esprit de la personne. Bon, je continue mon enseignement. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes facilement faibles d'esprit. Et je vous dis, les gens ici là peuvent voir qui est faible d'esprit. Quand on va vous mettre les messages, aide-moi, aide-moi, ma reine, aide-moi. On va aller te contacter en inbox. J'ai les dons. Je peux t'aider. Donc voilà, on te prend maintenant dans les trucs, les spirales. Les spirales. Donc je vous dis, faites attention. Maintenant, tout le reste là, partez faire ce que vous voulez. Moi, il m'en fout. Vous avez compris? Non, mamie, je ne cherche pas les followers. Hein. Il y a trop de personnes qui me suivent. Donc, je ne cherche pas les followers. Tout ce que c'est ce qu'il vient me mettre, je parle sur Facebook, je ne peux pas savoir qui m'a regardé, qui ne m'a pas regardé. Mais je vous dis de faire attention. Il y en a que quand vous venez me voir, que tout ce que tu dis, je vais faire, on ne dit pas ça. Ayez le discernement. Que je fais quoi? Je pars où? Je fais. L'autre même te dit que je donne combien? Que voilà mon compte bancaire, prends ce que tu veux. Ayez le discernement. C'est comme ça que dans 6 mois, tu vas dire, j'ai envoyé l'argent. Il m'a escroqué. Pardon, arrêtez ça.
Le roi Feuillot, il y a les gens que tu vas faire. Tu vas monter, tu vas descendre. Ils vont toujours faire. Tu as compris? Ben, ne te casse même pas. J'ai écrit sur mon statut ce matin que mes fils me reconnaissent et ils viennent à moi. Mes fils me reconnaissent et ils viennent à moi. Mais les Decepticons partent. Le Decepticon reste comme ça, seul. Il sort de mon groupe WhatsApp comme bien. Il reste comme ça là, après il ne me contacte plus. Il dit que tu connais ce que tu venais chercher. Parce que tu ne vas pas trouver. You know, go find it. Ok. Je dis comme ça là parce qu'il y a des personnes qui doivent vous adresser ici là. Et ceux qui viennent à mon groupe WhatsApp pour venir faire le pleur là, ne venez pas pleurer dans mon groupe. Hein. Venez vous plaindre. Wow, wow, voilà le père de mon enfant. Il ne s'occupe pas des enfants, il ne paye pas la pension alimentaire. Il ne, 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 ne. Moi, j'ai décidé qu'il veut même plus. Et puis quoi? Tu as les problèmes pour qui? Pendant qu'on est là, on parle des astres, on parle du soleil, on parle des téléportations. Tu es en train de parler des petits trucs ici. Réveillez votre spiritualité. Réveillez votre spiritualité. L'argent ne sera plus un problème pour vous. Et quand tu as l'argent, mon frère, je crois que au moins 80% de tes problèmes sont résolus. Donc, je reviens à Matthieu 2. C'est les gens faibles d'esprit là. Ils viennent à mon direct. Il y a une autre là qu'on appelle Eva, Eva qui est là, je ne la connais même pas. Elle est venue ici là prendre des gens. Vous écrivez en inbox, non? Vous écrivez pour mal parler de moi en inbox. Quand quelqu'un est dans la lumière, on doit te voir. Quand elle vous contacte encore, dis-lui de faire son direct, on la voit. Parce que la lumière ne se cache pas. La lumière, c'est la lumière. Quand on peut te localiser, on peut te tracer. Allez sur ma page, ça fait 5 ans que je fais des vidéos. Et je dis encore qu'il n'y a que les Decepticons qui vont se laisser amadouer par les choses comme ça. Il n'y a que les gens qui ont la déception dans votre cœur. Il n'y a que vous qui allez tomber dans les genres de choses là. Bon, je continue mon enseignement. Hein. Je parlais des choisis. Donc, verset 16, Matthieu 2. Hérode, voyant qu'il avait été joué par les rois mages, il se mit dans une grande colère. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessus, et au-dessous, pardon, qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire. Oui, nos enfants, les dons des enfants sont encore tellement purs. Et un choisi n'accouche qu'un super choisi. Maintenant, les choses que je vous montre, je veux que vous puissiez faire ça sur vos enfants tôt. Faites ça sur vos enfants très tôt. Si à 5 ans, tu remarques que l'enfant, il y a une là, j'ai envoyé elle est à Washington. Je lui ai envoyé les Vierges Marie, tout ça là, bâton de commandement. Elle dit que son enfant dort avec la Vierge Marie dans son lit. Elle a fait n'importe comment. Il a pris la Vierge Marie là, il l'a mis dans, à côté de lui. Il a pris le bâton de commandement à l'eau. Parce que vos enfants reconnaissent ça. Ils savent que dans mon autre vie, j'utilisais ça. Parfois, quand ils prennent ça, voyez ce qu'ils font, ils font avec. Voyez un peu comment ils utilisent ça. Ils ont même ils ont bien vous montrer comment utiliser. Bon. Bonjour, le roi Bonaclair. Bon, maintenant le verset 19. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi. Lève-toi, c'est aussi généralement, ça veut dire dans la Bible, lève-toi, ça veut dire, change ton train de pensée. C'est ça qui veut dire que quand tu es choisi, hein, pour ton business, martial divin, si tu m'as commenté 2, 3 fois, je n'ai pas répondu, arrête de faire le même commentaire. C'est qu'il te bloqué. Ne m'embête pas. Voilà. Ce n'est pas tous vos commentaires que je vais. Je suis en train d'enseigner. Je dois finir cet enseignement aujourd'hui. Donc, si tu fais 2, 3 fois le commentaire, je ne réponds pas. Ne fais plus le même commentaire. Vous allez remarquer qu'il y a des gens que. Peut-être ton business pour l'instant, tu vends les habits. Tu commences ta spiritualité, tu commences à te laver avec le sel, tu as pris ton bâton de commandement, tu fais tes déclarations, tu fais tes trucs, tu casses les œufs. Ton esprit commence à se réveiller. Quand la Bible dit lève-toi, ça veut dire que tu dois changer de niveau de pensée. Tu pensais ici, tu dois monter, tu arrives ici.
Et généralement, c'est votre business qui sera affecté en premier. Parce que quand ton énergie change, tes revenus changent. Et si ça n'a pas encore changé, ça veut dire que dans ta tête là, tu es bloqué. Et c'est qu'il y en a parmi vous, vous avez les dons spirituels. Pas un peu. Quand vous me contactez, parfois, vous me dites dans les messages sur moi-même. Mais tu n'as pas l'argent. Tu n'as pas l'argent. Je te secoue. Maintenant, Dieu va faire. Là, il lui dit, lève-toi. Quand il dit lève-toi comme ça, ça veut dire que tu l'as quitté de la dimension où tu étais, tu montes. Soulève la tête. Avant, je vendais seulement, je vendais les seaux, je vendais mon revenu mensuel, c'était peut-être 400 000. Là, mon esprit est éveillé. Je commence à voir, il faut que je change de profession. Il faut que je change de profession. Te voilà maintenant. Tu penses, je peux devenir conseiller vestimentaire et je fais la ligne de Dubaï, je peux acheter les habits ou bien de Turquie. Ça te change de ce que tu faisais avant. Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Écoutez, vos Decepticons-là, ils vont tous mourir. Je prophétise même derrière. Vos tantes qui vous ont bloqué depuis 15 ans, 16 ans de votre vie-là, je leur donne 6 mois, elles vont toutes mourir. Elles seront en voyage comme ça, l'avion va même cracher. Elles seront en voyage, la voiture va faire l'accident, elles vont mourir. C'est là que votre destinée va s'ouvrir, au nom de Jésus. Ceux qui ont envie là la vie du petit, il y en a parmi vous, vous êtes en Europe depuis 15 ans parce que vous fuyez les gens ici au pays. Leur période de mourir est arrivée. Et quand ils vont mourir, là, vous allez venir au pays. Vous allez voir, vous allez venir, vos choses vont commencer à avancer. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélaïtis régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, dont le père était Decepticon, le fils aussi devient Decepticon. Il craignit de s'y rendre et, divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée. Vous voyez, il voulait partir et il a commencé. Un sixième sens lui a dit que le père était Decepticon. Sûrement l'enfant là sera aussi Decepticon. Va plutôt dans la Galilée. Voilà qu'en rêve la nuit, l'ange vient lui dire. Et il part maintenant dans la ville de Nazareth. Et c'est là que la prophétie s'accomplit. Il y a certaines choses de votre vie qui ne marchent pas. Mais c'est pour accomplir une prophétie qui a été donnée depuis. Donc n'ayez pas peur. C'est pour accomplir quelque chose qu'on avait dit. Tu te maries 3 fois, ça échoue. Tu quittes du pays, si pour aller dans l'autre pays, parce que tu es fatigué des persécutions. Peut-être que c'était vraiment dans la ville que tu es parti là pour fuir là. C'est là-bas que la prophétie allait s'accomplir. Donc un choisi doit comprendre à tout moment qu'il est aligné sur le plan divin. C'est ça qui te restaure et ça te reconnecte au Créateur. Ce qui fait que ta bouche va arrêter de dire « Nye, 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 nye. » Arrêtez de parler mal. Déclarez ici avec moi que ma vie fonctionne selon le plan de Dieu. Parce que tant que tu ne penses pas ça, tu vas toujours croire que j'ai échoué, j'ai raté, j'aurais dû être là-bas. Non. Là où tu es aujourd'hui, comme tu m'écoutes là, tu es dans le plan de Dieu. Tu es dans le plan de Dieu. Voilà. Bon, j'ai fini. Voilà, tu as les rêves prémonitoires. Et ça sauve ta famille.
La prochaine fois que quelqu'un va venir te dire, oh, oh, comme ton mariage est échoué là, oh, tu aurais dû avoir, tu aurais dû. Et je vous annonce que le meilleur est encore devant. Le meilleur est devant. Vous n'avez pas encore vu. Vous n'avez pas encore vu le bonheur. Le genre que tu fais ça, tu cherches le problème. Problème, mais il n'y a pas de problème. Tu vois, ça, tu fais un mois, ton téléphone ne sonne pas pour les problèmes. Jesus. Tu dis donc, on peut aussi vivre comme ça là. Donc, quelqu'un pouvait vivre bien comme ça là. Maman. Tu te lèves comme ça, projet sur projet. Tu mets ça sur pied. 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 Tu fais comme ça là. L'argent vient. L'argent vient. L'argent vient. Everything you put your hand go work. Tout ce que tu mets ta main pour faire, ça va marcher. Tu ne peux pas être choisi. Tu as les dons, des rêves prémonitoires. Tu touches les gens, ils guérissent. Tu es pauvre après. Activez tout ce que Dieu vous a donné. Activez tout. C'est quoi votre problème? Vous défendez la pauvreté dans votre vie. On va, on dit achète, achète ça, tu n'as pas l'argent. Tu n'as pas l'argent. Ah, pour acheter quelque chose de 200 euros, tu vas te préparer 4 mois. Vous n'utilisez pas vos dons. Avant, j'avais de la peine avec ce que je vous dis ici. Et la première chose que Dieu avait établie en moi, c'était que je ne peux pas devenir malade. Donc, j'ai reçu la santé divine très, très rapidement quand j'ai accepté le Seigneur. Du coup, je restais comme ça là. Je n'avais pas de mutuelle quand j'étais en Angleterre. Parce que je savais que... Moi, en Angleterre, je crois que tu passes le GP, hein, normalement, tout comme ça là. Ouais. Tu vois, je GP. Mais je n'avais pas. Parce que moi, je savais que il ne va jamais tomber malade. Jamais. Un jour, Dieu me challenge. Il dit que tu as accepté la santé divine. Pourquoi tu n'acceptes pas les finances divines? Je reste aussi. Il dit que non, Seigneur, tu ne comprends pas. J'ai fait le truc, ça ne marche pas. Je n'ai pas l'argent. Il me dit, arrête. Tu as accepté la santé divine. Pourquoi tu n'acceptes pas les finances divines? Ça m'a challengé la tête. Et bien sûr, vous aurez des batailles avec votre subconscient. Avec vous-même. Parce que certains d'entre vous avez grandi dans des familles où on a voulu vous faire. Peut-être tu grandis, tu nais dans une famille, ton père a beaucoup d'argent. Ton père ne t'a pas reconnu. Donc tu grandis loin de ton père. Et ta grand-mère chez qui tu grandis est pauvre. Mais toi, dans ton esprit, tu as toujours su que tu seras riche. Maintenant, tes oncles et tes tantes, ils n'ont pas de devant, derrière. Chaque jour, t'influence. Tu restes, tu aimes les grosses voitures, tu aimes la bonne nourriture, tu aimes la belle vie. Chaque jour, on te frustre. Maman, tu es pauvre. Ah, tu avais l'argent ici dans ta famille. Tu restes, tu dis que je vais partir à Paris. Un jour, je vais faire le tour du monde. On te regarde, on t'insulte, mon frère là-bas. Tu as toujours su à l'intérieur de toi. Dans le jour où tu pars chez ton père, tu vois l'argent. Les maisons. Si je comprends maintenant. Maintenant, ce que tes sons que t'ont donné depuis que tu étais petit là, ça va venir, ça sera ta bagarre là-bas. Parce que les moments où tu as l'argent, hein. Tu as l'argent pour acheter même 4 voitures. Tu vas marcher à pied, tu vas prendre la moto. Parce que tu crois que tu ne mérites pas l'argent. Tu vas croire que tu ne mérites pas l'argent. Avant que je n'accepte l'autre là, hein, un jour, je suis resté comme ça. J'ai dit que j'ai souffert pour 5 vies. Je ne souffrirai plus. Un jour, on allait me montrer. Je partais regarder une maison quelque part là. L'agent immobilier, donc, il nous fait sortir de la voiture en route. On marche. Joseph, pourquoi tu appelles ta entreprise petite entreprise? Tu vois petit, hein? Tu dis, j'ai ma petite entreprise. Ne mets pas le mot petit sur ton entreprise. Tu vois très petit, Joseph. C'est ton notion qui touche tes machines.
J'ai dit à l'agent immobilier, on a monté une petite colline comme ça. Je lui ai dit que, tu sais, quand elle veut souffrir et suer, je pars à la salle de gym, je me mets sur la machine. Je mets la colline sur la machine. Je cours. Mais dans la vie de tous les jours, là, j'ai décidé qu'elle ne veut plus souffrir. Il dit, mais c'est seulement une petite colline, non? C'est seulement, j'ai dit que, écoute, chacun sait ce qu'il a accepté. Moi, j'ai déjà trop, c'est fini, j'ai souffert toute la souffrance qu'il pouvait souffrir. J'ai manqué tout le manque qu'il pouvait manquer. C'est fini. Certains parmi vous, vous ne pouvez pas vous mettre à l'aise. Vous avez peur. Écoute, tu ne peux pas manquer pour demain. You know, feel like. You know, feel like. Parce que tu as un pouvoir de remplacement. Dès que ça sort de ta poche, ça revient. Bonjour la reine Séraphine. Bon, j'ai un peu touché, un peu parlé dans tous les sens dans la spiritualité aujourd'hui. Maintenant, il y a beaucoup d'outils spirituels qui m'ont activé pour don. Vous avez montré, je vous demande les outils à chaque jour. Laurent Bonalais, je veux aussi que vous puissiez comprendre que quand tu es un choisi, tu comprends que tu manipules les événements. Quelqu'un ne peut pas venir me dire que quelque chose est mauvais, que ça c'est un mauvais présage jusqu'à ce que j'accepte. Tu vas me dire que ça c'est un mauvais présage. Je vais dire que par ma puissance, je change. Je déclare que mauvais présage, tu deviens le bon présage. Ne vous laissez plus manipuler par les gens. Oh, telle chose a traversé la route. Ça veut dire que c'est un mauvais présage. Je convertis le mauvais présage en bon présage. Vous doutez de votre pouvoir. Mof midé. Mof midé. Tu laisses, tu vois, regarde, on te dit que, gars, tu sais aussi que c'est mauvais signe. Ça veut dire que tu dis jamais, vous ne me connaissez pas. Que comme moi, je suis ici dedans, là, ça va passer. Vous avez suivi? Ça va passer. Tu parles comme ça, tu te tais. Garde ta tête, ta chose. Quand tu dis que everything you put your hand go work, les gens vont te chercher. Et parfois, vous êtes tellement bête. J'ai rêvé de ça. Ça veut dire quoi? Je me suis lavé avec le sel. Après, j'ai rêvé que ma mère est venue me donner beaucoup d'argent et beaucoup d'or. Ça veut dire quoi? Mon père, tu es bête ou tu es bête? Tu es bête ou tu es bête? Tu rêves qu'on te donne l'argent et les diamants. Tu veux qu'elle te dise que ton rêve veut dire quoi? Arrête-toi aussi, non? Hop. Parfois, on est seulement embêté les gens. Tu veux qu'elle te dise que, en fait, l'or qu'on t'a donné dans le rêve, là, ça veut dire que tu auras. On va te donner les habits. Non, l'or, c'est l'or. L'or, c'est l'or. Parfois, vous avez des questions bêtes. Peut-être aussi, même quand vous êtes spirituel, non. Croyez même en vous-même, non. Un peu, non. Si elle te dit maintenant que, oh, elle t'a donné l'or dans le rêve ou le diamant, ah, ça veut dire que tu vas perdre tout ton argent. Oui, c'est ah bon. Donc, je vais perdre tout mon argent. Ne soyez pas bête aussi, le genre là, non. Ouais. Ouais. Même si je rêve, on me dit, tu vois comment on m'a dépouillé dans le rêve. Je me lève. Je commence à parler. Tout dévoreur qui est dans ma vie. Tout l'argent que tu as pris la nuit là, viens me remettre rapidement. Pas qu'elle va me lever, elle va aller dire à tout le monde, j'ai rêvé qu'on volait mon argent. J'ai rêvé qu'on me volait l'argent. Je vous gifle bien même. Je ne tolère pas la bêtise, dans le spirituel surtout. Parce que c'est ça qui vous coûte votre énergie. Et l'énergie, c'est l'argent. Vous avez les bénédictions en désordre. Vous êtes là, vous, c'est votre bouche qui gâte ça. Bon, laissez-moi pas prendre mon petit déjeuner. Vous riez, vous n'avez pas encore ri. Ouais. Bon, il y a le numéro là-bas, le 693-50-22-66. Voilà, Josso, je vais te bloquer.
Ouais, je blague pas. Ne me faites pas vos messages. Que tu m'écris le message, le même message 5 fois. Vous avez partagé ma vidéo, non? Pour tous ceux qui ont partagé ma vidéo là, hein, je dépose une bénédiction spéciale sur vous. Ça veut dire que quelque part vous voulez aussi que moi-même j'avance. Donc je vous remercie. Je vous bénis. Je déclare que ce que vous avez à faire aujourd'hui, les anges vont venir de je ne sais où vous aider. Ils vont venir vous aider. L'aide que vous cherchez depuis là, vous allez avoir ça aujourd'hui. Voilà. C'est ma part qui dépose sur vous comme ça là. Même les enseignements, si ça va vous porter fruit. Voilà. Il y a un détail aussi. Beaucoup d'entre vous, vous venez sur la page. Si vous écoutez ce que je dis, vous ne faites jamais d'offrande. Écoutez, je n'ai pas nécessairement besoin de votre argent. Parce que j'ai. Mais ceux qui sont allés à l'église, les églises pentecôtistes là, c'est qu'il y a un truc que j'ai appris dans l'église pentecôtiste. C'est à honorer le don de quelqu'un. N'allez pas quelque part, vous recevez sans donner. Écoutez-moi bien. Parce qu'il y en a parmi vous, je sais que ça fait au moins 4 mois que vous êtes sur la page, si vous écoutez chaque jour. Et vous n'avez jamais sorti un euro pour donner à ce que je fais. Écoutez, ce n'est pas vos 5 euros qui m'ont construit ma maison. Ce n'est pas ça qui va acheter mes jets privés. Mais c'est pour votre avantage. C'est pour ça qu'il y en a qui m'écoutent depuis 3 mois. Hein. Tu te laves avec le sel. Non. Même le sel seulement, il se lave avec. Ça peut être l'une des raisons pour lesquelles vous êtes bloqué. Et je vous ai parlé de dîmes. Et c'est que vous blaguez encore avec votre dîme. Et c'est parce qu'elle peut vous dire. Les finances ont des principes. Le principe, ça veut dire que c'est là, comme la loi de la pesanteur. Monte, tu descends. Tu aimes les dons n'importe comment. Tu ne fais pas, tu ne passes pas. Point à la ligne. Écoute, tu ne fais pas, hein. Tu ne passes pas. Je vous le dis, Rora. Parfois, tu viens, tu prends le kit de commerce, tu fais tout ce qu'il faut faire. Ton business n'avance pas toujours. Je demande, est-ce que tu payes la dîme sur ton business là? Non, tu vois, je voulais d'abord que c'est quand je vais arriver au milliard avant de payer ma dîme, non. Tu vois, pour l'instant, je suis seulement. Tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris. Bon, à bon entendeur. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite une bonne journée. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. Aujourd'hui, que le Seigneur dépose sa grâce sur vous. Que son visage brille sur vous. Qu'il aille devant vous. Qu'il soit derrière vous, qu'il soit autour de vous. Je déclare sur vous qu'aucun mal ne peut vous toucher aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Moi-même, je dis Amen. Même si vous ne dites pas, moi-même, je dis. Quand je parle, ça me plaît. Je prêche ma chose, ça me plaît. Comme tu peux, tu as le restaurant, tu ne peux pas, tu manques d'abord bien avant de vendre aux gens. C'est comme ça qu'il fait. Le roi Marcel, je suis à Olembe. Et j'ai laissé le numéro là-bas. Si vous n'appelez pas sur le numéro, vous ne pouvez pas me voir. Je sais que ça ne dépend que de vous. C'est que toute ma vie, je suis seulement en direct avec vous. Je n'ai pas pour toilette, je ne mange pas, je ne fais rien. Je suis seulement là sur le direct avec vous tous les jours. Je sais. Bon. Bye bye.